Putain, faut que je le pull serré, cette merde là. Oh. Ok, bon, on sait que si là ça n'a pas de ward. Après, ils savent où Ellie start. Parce qu'en soi, il est pas trop catastrophique, parce que normalement, ils savent où le jungle start. Donc, en regardant les lanes. Allez, je me taille. Pas trop ce que ça a donné cette game, hein. On va récupérer cette petite wave PPR, on va faire notre lane contre Singe. Je pense qu'il n'y aura pas grand chose qui va se passer contre Singe. Ok, nevermind, il joue très aggro. Ok, j'ai pris deux proc grasp. Il joue avec un ignite, putain, j'ai oublié ce détail. Oh, je suis un fou. En plus, il joue avec un flash aussi. Oh, j'ai fait me faire tuer niveau 2. Ça, je pense pas qu'il allait me casser la gueule comme ça. Je voulais juste prendre mes petits proc de grasp PPR. En vrai, tant qu'il joue contre moi, moi j'en ai rien à foutre. Hein. Je sais pas si je suis gagnant à prendre un tick de poison. Je vais check, ça fait combien? Ouais, je suis gagnant avec le Doran Shield. Nice, ça a double kill. Bien joué à Tozu. C'est quoi, ça veut dire jungle? Ils ont réussi à prendre double kill. Putain, on a une composition gros. On a Elise Renekton mid lane. On va... Après, on a Sphere pour scale. Hein. Oh, nice, solo bolo, mid, c'est ça qu'on veut. Ok, il a pas trop l'air de vouloir me flip. Peut-être lui prendre des petits procs de grâce discretos. Après, il y a toujours la peur du dire. Hein. Ok, limite, c'est bon. Je vais essayer d'hard push ça. Petit proc grâce, petit proc mana flow, tout. Je veux pas le laisser freeze. Ok, nevermind. J'étais un peu bête là-dessus. J'ai vu qu'il m'a fling comment on appelle cette merde là? Into doublé, du coup je ne peux pas flash out ce tour. Bon, pas trop grave, bon, ouais. Je pense pas que Singe aurait un impact incroyable dans la game. On va juste à jouer weak side top. Ah, ah bah là. Tue-le s'il te plaît, le Q. Bien joué. Ça c'est grâce à moi, premier degré, parce que s'il m'avait pas entre guillemets dive au top sous sa tourelle, bah du coup il aurait ignite Renek et Renek serait mort. Et ça c'est un sacrifice, vous voyez ce que je veux dire ou pas? On sacrifie notre vie pour que mon midlaner puisse avoir un kill et survivre. Ça c'est l'esprit d'équipe. Oh, petite plate. Oh mais qu'est-ce qu'il fout là lui? Et niveau 4? Ah ouais mais c'est la pute un peu. Juste un petit proc de grâce. Ça va, hein. Tu verras pas. Hein. Il swap. J'avoue que là il faut qu'on joue fort. Hein. Il est en 4-0 mid alors qu'il est fill les cabanes. Pas de chaise, pas d'information sur Udyr. Prends pas le risque de donner des gueules et de faire revenir Sylas dans la game. Alors je sais pas du tout où il est. Sylas est en 0-3 donc bien joué. Ah il est là. Boum. C'est qui le boss ici? C'est moi le boss mon salaud. 178 c'est gold il m'a donné hein. Je vais prendre une petite plate qui va me donner autant d'argent que Sylas. Il joue TP ou pas? Non, il joue Ignite. Malade, hein, par contre. Hein. Ils vont probablement reswap avec Singe. Je vais mettre un petit E ici pour avoir l'info. Même Ward ici. C'est pas très grave, j'ai un tronc solide. Je peux prendre deux coups de tour. Ok, il est mid, Singe. Donc on fera des tabis, mais je vais pas les bailler maintenant parce que là, ça ne me sert à quoi que. Si, vas-y, hop, tabis. On est full armure. N'a aucun sens contre le match. Aucun respect pour mon adversaire direct. Hein. Je suis Marie-Cole avec 1200 gold. Je reviens avec quoi? Plein d'armor. Je joue Sylas. Tabis parce que, en gros, c'est extrêmement fort contre Kalista. Ah, elle va tomber, on va récupérer Kalista. Nice. Mais surtout que Mercure sert vraiment. En fait, je vais buy de la MR en défensive donc. Mercure, ça l'intéresse si et seulement si. Les mecs ont beaucoup de CC, ce qui n'est pas le cas là. Bon, je m'en bats un peu les couilles de le tuer. En vrai de vrai, ce que je veux surtout, c'est des proc grasp. Parce que je sais qu'il vaut pas d'argent et tout. Je veux juste scale sur lui en fait. Je suis absolument pas le flash. Hein. J'ai mes bourses de flash un mec qui est en 0-4 qui vaut pas d'argent. Je le tue si je flash. Hein. Je flash ZQ, il meurt, mais. Et on peut en monde qui est worse, tout qu'en plus je peux le tuer comme ça. Boum. Bon, le véritable intérêt de le tuer, ça donne pas beaucoup d'argent. Ça me crée un shutdown et je vais forcément le donner. Mais le véritable intérêt de le tuer, c'est surtout pour l'empêcher de revenir dans la game parce que du coup il ne farme pas. Puis en solo blow, ça fait toujours plaisir. Ouais, c'est vrai, voilà. C'est classique. Quand je joue, moi, ok, vous savez. Vous savez qu'il va se passer deux trucs. Petit 1, je vais solo kill le mec. Petit 2, je vais me faire solo kill. C'est tout le temps ça. Et là, encore une fois, ça a pas raté, hein. J'ai solo kill et il m'a solo kill. Open, go end. Ah oui, mais celui-là c'est une merde en plus. Fais 0-5 puis call un open en chatol. Je pousse ça. Je fasse gaffe parce qu'il y a Singe dans le coin. Une auto pour le proc. Pour le proc grasp. Il y a Singe qui est en train de proxy à côté. Je recule parce que Singe arrive. Je veux juste des progrès sur sa gueule. Hein. Je suis à combien? Je suis à 15. Il a été très généreux.
plus les fights durent longtemps, tu sais que c'est parfait pour moi. Pendant ce temps, ma team, en train de turbo-stomp la game. Hop les petit EPPR. Putain, j'ai plus de... Plus stack ma grâce. Tu sais qu'il joue Ignite aussi. Oh no! Je suis un tronc, là les arbres ne peuvent pas me faire des dégâts en fait, c'est impossible. Oh, encore un petit solo bolo pour le plaisir. Hein. 112 gold, hein, il vaut vrai. Bon, ouais, je peut-être go Eternal Winter en vrai. Théoriquement, ça va FF bientôt. Peut-être qu'ils vont continuer à jouer le jeu. Mais... Je pourrais TP derrière eux, enfin derrière lui et le tuer, mais il est en 0-6 encore une fois, donc ce n'est pas worse. C'est des ressources pour un creep. Bon, faut quand même que je fasse attention parce que je vois si c'est en gold de shutdown, pas que j'oublie ça. En vrai, dans ce genre de situation, quand je suis autofill et que je vois des gold, en règle générale, j'aime bien les donner très très vite, comme ça après je peux jouer sans pression. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? But you don't use skill. Il va se suicider au vote. Surtout qu'en plus, pour revenir à mon shutdown, vu que je suis un frontliner, je vais forcément crever un moment. Donc autant suicider, mourir une bonne fois pour toutes, et comme ça après il n'y a plus de problème de potentiellement j'ai peur de jouer, ce genre de choses. Par contre ce que je sais c'est que les ADC, mon salaud. Ouais, ah, peut-être pas d'ADC carry du coup. Ah, petite Kalista là, tu t'amuses? Tu joues bien au jeu, c'est bien de jouer comme ça contre Maokai. Ah. Oh, il m'a flash. Avec ton, il push bot pendant ce temps. Il a tué pas mal de monde quand même, hein. Il se fait ignorer. Tu sais que je me fais ignorer, mais j'aurais cassé la gueule. Je l'aurais cassé la gueule, hein. Bon, j'ai une TP sur ma team toujours. Mon travail en taf, c'est dans le taf, pardon. Enfin, dans le taf, oula. Mon travail en taf, j'aimerais moi bien parler France. Mon taf en teamfight, ça est de pile sévir surtout. Il y a beaucoup de mêlées, pile sévir et péter la gueule de Kalista, voilà. C'est les deux choses que je dois faire. Péter la gueule de Kalista, c'est du plaisir, donc faut que je fasse attention à pas me laisser trop emporter par mes envies et mes pulsions. Et que j'arrive à regarder la tête froide et que je protège principalement mon ADC, mais... Je l'ai essayé emporter un petit peu par mon plaisir, c'était sûr qu'il y avait des gens. Hein. Je suis pas passé loin de la fumée hein, d'ailleurs. Hein. Vous avez vu un petit peu le petit Pikmin qui a été posé, que j'avais préparé avant, après tac, je la pousse dedans et tout, mais elle m'a exhaust en fait. Pas le temps de terminer ta phase, tu vas céder à tes pulsions. Ouais, mais tu sais que c'est dur. Hein. Après, j'ai pris plein de proc de grasp. Hein. Donc ça fait plaisir. Vous pensez que je suis à combien là actuellement? La dernière fois qu'on avait regardé, c'était top, j'étais à 15 après avoir fait contre Silas. Vous estimeriez à combien le proc de grasp que je suis, enfin combien je suis actuellement? Moi j'estimerais ça genre 31. Peut-être un peu excessif. Putain, il y a Sivir ici. Bon, j'en ai pris un en plus là qui comptera pas. Ok. On va regarder ça. 26. Ouais, je me suis un peu emballé. 31, j'ai dit. Hein. J'étais à 25. Putain, c'est tout. J'en prenne plus. Hein. On récupère le troisième Drake. GG moi. Bien joué à ceux qui avaient deviné. Vous ne gagnez rien, mais. Oh. Alors là. Oh non, je suis attrapé par mes compagnons arbres. Je sais pas trop à combien elle va mettre de dégâts en fait. Je compte pas trop les spires qu'elle me met dans la gueule et c'est toujours un peu la surprise de quand est-ce que ça devient vraiment dangereux pour moi avec les spires stackés là. Petite auto-attaque pour ce healer, boum, 300 HP. D'ailleurs, contre Sitch, faut que je teste un truc. Oh putain, ça a fait chier. Putain, je voulais voir comment fonctionnait son poison avec mon passif. J'ai pas du tout fait attention à ça. Je sais pas si c'est... Genre si... Ça m'étonnerait que chaque tick proc 4 secondes. Hein. Je sais pas si ça proc une fois, ça proc 0 fois, ça proc genre 2 fois. Honor à Cabane qui a détruit la game en étant autofus, bien joué à lui. Les arrêts de sop sont peut-être un petit peu grandes. Bon, bien joué à ma team. Pour le coup, j'ai pas eu grand chose à faire, mais j'ai quand même fait 16 000 de dégâts, donc j'ai bien tapé tout de même. Hein. Je fais que ça de me mettre sur la gueule avec Silas.